Les gars, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, notre partenaire cette année. On le rappelle, hein, c'est une application qui est gratuite. Elle est disponible sur iOS et Android. Elle est surtout l'application numéro 1 dans le monde du football. Jolan, peux-tu nous en parler convenablement? Je vais vous montrer directement sur le portable. Allez, vas-y, montre-nous ça. Oh, c'est simple. OneFootball, c'est quoi? Abonnement. Bon, Manchester City, parce que voilà, je regarde. Ils ont gagné 2-1 hier, parfait. Il y a tous les transferts. Il y a la saison, donc avec le classement, l'effectif, donc voilà, par exemple, hop, Phil Foden, très bon joueur. Voilà, franchement, franchement, très bonne application, c'est la meilleure sur le marché, donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite et il y a un lien dans la description, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, tu vois. Voilà les garçons, on vous a tout dit sur l'application, n'hésitez pas, comme disait Jolan, à la télécharger, on vous invite à le faire. Yo les gars, c'est le PLS, aujourd'hui, nouvel affrontement. Pour le premier épisode, on a affronté Vin Sky, tu peux voir la vidéo ici. Là, c'est un affrontement de type performance. Nous allons affronter un gardien qui a joué à Guingamp. Ce gardien a fait la Coupe de France. Ce gardien a gagné la Coupe de France. Voilà, donc il a affronté le PSG dans le Trophée des Champions. Il est parti en Chine. Ce gardien, vous l'avez vu dans l'Euro 2023 précédent. Il a joué à Guingamp et on va l'affronter. Let's go! Hugo! Ça va? Ça va, Jolan? Tu vas bien? Ouais, je suis On se retrouve donc avec Hugo. On va partir sur 3 exercices, donc spécifiques attaquants. En gros, le premier exercice, les gars, ça va être Hugo va nous faire une relance au pied. On va tester un peu son jeu au pied. Même si vous l'avez déjà vu, là, il y a la petite fiche, là, regardez la vidéo d'avant. On la reçoit, on contrôle, et après, on se retrouve en face à face avec lui sur une frappe, allez, peut-être 18. 18, 20 mètres, ouais. Deuxième exercice, Jojo, tu peux nous en dire plus? Petit centre, donc on va mettre des mannequins pour faire un peu de des défenseurs. Ouais. Ensuite, petit centre, donc tête, reprise, centre en retrait. Et on va, là, ce sera plus les réflexes. Troisième exercice, un petit spécifique attaquant. Voilà, c'est deux mannequins comme ça. En gros, une, deux avec Jolan, il me la remet, on se retrouve face à la cage. Et là, plus proche d'Hugo, le but, c'est voilà, c'est d'enchaîner et de marquer ou non. Sachant que dans cette vidéo, c'est plus de la performance. Essayez d'être concentré. Pour voir si on a le niveau ou non face à un gardien comme toi. Voilà. Il y a un peu de vengeance aussi, non? Ouais, il y a un peu de vengeance, c'est vraiment tard. Ça, on n'en parle pas trop, ça. Allez, allez, je l'ai fini. Oh là là, oh là là. Let's go. Time. Yes!
fin d'exo, ce fut dur. Franchement, ce fut difficile, ouais. C'est pas pareil. Franchement, c'est difficile. Je sais qu'un gardien de district va pas l'arrêter, tu vois. Sûr et certain. Forcément, ouais. Va pas l'arrêter. Sûr. Mais avec toi, bah du coup, c'est différent. Est-ce qu'on a un bon niveau quand même devant la cage ou pas? Non, ça va. En vrai, ça va. Parce que il a fallu quand même que je fasse 2-3 arrêts. Ouais. Clairement. On voit au moins que... 2-3 arrêts. Non, ouais, voilà. J'ai touché vite fait la balle. Et puis au moins, ça se voit qu'il y a déjà la concentration sur ce que vous faites. La marge de progression, elle est là. Ce qui va faire la diff pour la N3 surtout, c'est la capacité à répéter les bons gestes régulièrement. D'accord. C'est juste ça qui fait la diff. Hugo a sa salle à Saint-Priest, donc pour tous les Lyonnais qui nous regardent, donc que ce soit dans le Roto N3 ou dans cette vidéo, il a une vidéo, donc on vous met son Instagram et son Facebook si vous voulez y aller. Bon, en ce moment il y a le Covid, etc., donc un peu galère. Grave. Mais dès que ça réouvre, allez suivre ses réseaux, comme ça vous savez quand ça réouvre et comment ça se passe. Oh la parade! De malade mental, j'espère que vous avez kiffé. C'était franchement incroyable. Ouais, c'était bien. C'était franchement, ça va, t'as mis 2-3 buts quand même. Ouais, il est débuté. D'ailleurs, on va peut-être faire des séances avec lui dans les Road to N3 une fois par semaine pour vous, pour nous aussi. Comme ça, on donnera des conseils. Avec plaisir. Hugo, il sera là, il va vous donner des techniques. Je sais pas, les gardiens qui regardent la vidéo, ce sera peut-être le moment pour vous aussi, bah, à chaque fois, de regarder les petits conseils. Et les attaquants, bah nous, voilà quoi. On vous montrera comment marquer des buts en vrai. Ouais. C'est comme ça, on travaille entre attaquants et gardiens en vrai. Ça veut dire en match retour, sachant que le retour dans le match retour. Ah, putain, ouais, faut que je pense au match retour. Ouais. Ah oui, c'est un vrai. Match retour. Comptez sur moi, il n'y aura pas de barre transversale, il n'y aura pas pas d'échec. Non, c'est pas mon plan ça. Vas-y les gars, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.